Merci beaucoup de votre accueil, de cette excellente présentation qui nous permet effectivement de resituer mon intervention dans un cadre plus général. Donc je vous propose d'emblée de vous proposer le plan de mon intervention. Je vais me concentrer en fait sur quatre parties après une rapide introduction. La première partie sera consacrée donc au cadre de cet opéra qui, me semble-t-il, est maçonnique. Mais nous verrons que si le cadre est maçonnique, le contenu, lui, ne l'est pas forcément. La deuxième partie, nous verrons que dans cet opéra, il y a un certain nombre de personnages qui ont une trajectoire qui semble maçonnique, mais que d'autres personnages, et non des moindres, ont une trajectoire qui n'ont rien à voir avec le rite maçonnique. Ça sera donc la deuxième partie. La troisième partie, je vous présenterai ma vision de l'œuvre. Vous l'avez dit, on a tous une intelligence sensible, une intelligence rationnelle. J'ai essayé de relier un peu les deux. Et cette œuvre qui m'accompagne depuis très longtemps, j'ai essayé de la comprendre. J'ai proposé dans mon ouvrage, effectivement, une vision subjective, imparfaite, mais qui, me semble-t-il, en tout cas, est très documentée et qui a, en tout cas, reçu de bonnes critiques dans la presse spécialisée. Et puis enfin, j'aborderai peut-être au fond ce qui est l'essentiel de cet opéra, peut-être le message ultime que Mozart a voulu nous délivrer, c'est le pouvoir magique, le pouvoir transcendant de la musique sur les âmes. Voilà, donc ça c'est le plan que je vous propose ce soir. Alors en introduction, je voudrais vous raconter une anecdote personnelle. Il se trouve qu'en 1977, j'ai eu la chance, avec un groupe de cadres du Crédit Agricole de l'Oise à l'époque, j'habitais dans l'Oise, on était une trentaine, on a pris le bus de Beauvais où j'habitais et on est allé à Paris. C'était la première fois que j'allais à l'Opéra Garnier. Et là, à l'Opéra Garnier, qu'est-ce qu'on a entendu? Ils avaient bien choisi les cadres du Crédit Agricole. On a entendu Carl Böhm, Kiri Te Kanawa, dans la flûte enchantée de Mozart.
J'ai adoré ce spectacle. Les couleurs, les costumes, le chant, bien sûr, l'orchestre dirigé par Carl Böhm, mais je n'ai strictement rien compris à l'action. Parce qu'à l'époque, en 1977, il n'y avait pas encore les sous-titrages. Donc l'œuvre était chantée en allemand. Je voyais qu'on passait effectivement parfois du comique au tragique, du sérieux au bouffon, mais je ne comprenais pas le sens. Et finalement, je n'avais pas perçu à la fois le sens, la signification, l'intention de Mozart. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que derrière une grande œuvre, il y a une intention. Quand Beethoven compose la 9e symphonie, il y a une intention. Quand Wagner compose le Ring, il y a une intention. Alors, quelle est l'intention? Parfois, le compositeur nous la donne, parfois, il ne nous la donne pas. Il faut la deviner, replacer l'œuvre dans son contexte. Je n'avais pas compris, si vous voulez, à cette époque-là, que, effectivement, la flûte enchantée est, alors là, je cite hein, Robert Misrahi, qui est un grand philosophe, un grand spécialiste de Spinoza, probablement le meilleur spécialiste de Spinoza en langue française. Eh bien, Robert Misrahi, donc, dans un très beau livre qu'il a consacré à Mozart, qui s'appelle « L'Éden Mozart », c'est toujours très intéressant d'avoir le regard d'un philosophe sur la musique. Au-delà des musicologues, vous voyez, les philosophes ont des choses à dire aussi sur la musique. Eh bien, Misrahi nous dit dans son livre hein, « La flûte enchantée est le plus philosophique, le plus réfléchi, entre guillemets, des opéras de Mozart. » Mais je ne l'avais pas perçu. Je ne pouvais pas le percevoir à la première écoute. Mais j'ajouterais qu'il est aussi probablement le plus complexe, pas dans le sens compliqué, dans le sens où il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs portes d'entrée, vous voyez, dans cette œuvre. Et c'est ça qui est intéressant, me semble-t-il, c'est d'ouvrir toutes les portes pour en saisir toute la richesse, pour en saisir toute la profondeur. C'est un opéra donc le plus complexe, c'est aussi probablement le plus mystérieux. Mais encore faut-il qu'on se mette d'accord sur la définition du mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? Est-ce que c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais? Ou est-ce que c'est quelque chose dont j'ai compris certaines choses, mais je n'aurai jamais fini de comprendre? Eh bien, moi, je m'inscris dans cette deuxième logique. C'est-à-dire qu'effectivement, cette œuvre est profondément, comme toutes les grandes œuvres, profondément mystérieuse, mais elle porte en elle un sens. Elle a effectivement une signification. Mozart a voulu nous dire des choses. Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Et bien, c'est ce qu'on va essayer de voir tous ensemble ce soir. Alors, le déclic, si vous voulez, du coup, comme je ne comprenais pas l'œuvre, je m'en suis écarté. Elle m'était, si vous voulez, étrangère, je ne la comprenais pas. Et en fait, le déclic est venu de Marc Chagall. Quand j'ai vu l'étoile que Marc Chagall a peinte sur le thème de la flûte enchantée, il a peint, par exemple, tous les personnages. Vous avez ici, par exemple, ici, ça c'est une fresque qui est au Metropolitan Opera de New York, où il a travaillé en 1967. Et puis vous avez celle de l'Opéra Garnier aussi, puisque au plafond de l'Opéra Garnier, vous avez effectivement une magnifique toile de Marc Chagall. Et là, je me suis dit, si Marc Chagall a peint des fresques de ce type, aussi colorées, aussi féeriques, aussi enfantines, sur la flûte enchantée, c'est qu'il y a probablement dans cette œuvre quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel qui nous renvoie, on verra, non seulement à l'esprit des contes de fées, mais à l'esprit d'enfance. C'est donc grâce à Chagall que je me suis intéressé de près à cette œuvre. Alors, effectivement, en s'intéressant à cette œuvre, j'ai été confronté, et j'ai lu, bien entendu, cet ouvrage qui est un classique hein, de Jacques Chaillet, qui était donc compositeur, professeur au Conservatoire National de Musique de Paris, et son livre s'intitule « La flûte enchantée, opéra maçonnique ». Je serais tenté de dire oui, bien sûr, oui, c'est un opéra maçonnique, mais pas seulement. Vous voyez, j'ajouterais « mais pas seulement ». Parce que si on se limite à ça, il me semble que, eh bien, on perd la substance même de l'œuvre. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir. Alors, outre Jacques Chaillet, j'ai beaucoup lu en langue allemande. J'ai la chance de maîtriser la langue allemande, donc je me suis intéressé aux sources et je me suis intéressé à ce qui a été dit dans ce pays, en Allemagne, en Autriche, bien sûr, depuis, vous imaginez, bah depuis que Mozart est mort. Hein. Les premiers écrits sur la flûte enchantée datent de 1792, dans la presse allemande et dans la littérature allemande. Et là, si vous voulez, j'ai découvert un dénommé Egon von Komorzinski, qui en 1948 écrit la chose suivante, grand musicologue allemand, enfin autrichien plutôt, « La flûte enchantée,
un rapport à la franc-maçonnerie, mais elle ne lui est pas subordonnée. La hauteur spirituelle de Mozart, que Mozart atteint dans cet opéra, est si élevée qu'il se place au-dessus de la franc-maçonnerie, comme s'il s'était élevé au-dessus de tout. Fin de citation. Donc vous voyez que, bien sûr, la dimension maçonnique est présente, mais probablement que cette œuvre va encore plus loin que cette dimension. Un autre musicologue, enfin c'est pas un musicologue en l'occurrence, c'est un égyptologue, Yann Assman, a écrit donc en 2005 un ouvrage très intéressant donc, sur opéra et mystère, hein, ça s'appelle Opera und Mysterium, sur effectivement la flûte enchantée de Mozart. Et là, Yann Assman, égyptologue, donc, donne sa vision de l'œuvre. Il dit au fond, il y a deux niveaux. Il y a un opéra exotérique, c'est-à-dire que c'est un conte de fées, il y a une histoire, il y a des personnages, donc c'est facilement saisissable. Et puis il y a une dimension, dit-il, ésotérique, c'est-à-dire une dimension qui, là, est plus difficilement saisissable et qui renvoie, selon Yann Assman, essentiellement à la religion des mystères. C'est-à-dire les mystères, d'abord, d'Osiris, Isis et Osiris en Égypte ancienne, et ensuite là, les mystères d'Éleusis dans la Grèce antique. Qu'est-ce qu'étaient que les mystères? Vous avez défini tout à l'heure ce que c'était que la franc-maçonnerie. Il faut peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les mystères, ce que c'est que les mystères. Les mystères, en fait, c'est quelque chose qui est venu de l'Égypte antique et ensuite de la Grèce antique. Il s'agissait, en fait, de cérémonies initiatiques, ouvertes à tous, qui consistaient en une succession d'épreuves dans un lieu hostile. Alors souvent, c'était dans des pyramides ou dans des grottes, vous voyez, dans un lieu hostile. Et il s'agissait, en fait, dans ce rite, dans ces cérémonies initiatiques, de traverser un certain nombre d'épreuves. Alors parfois des épreuves réelles ou des épreuves rituelles, symboliques, qui finalement, dans l'objectif, si vous voulez, d'accéder par les émotions ressenties, mais des émotions profondes qui pouvaient être la peur aussi, hein, par les émotions ressenties, d'accéder à un autre niveau de conscience. L'objectif étant, à travers ce rituel initiatique des mystères, d'Éleusis, et qui était parfaitement connu des maçons à l'époque de Mozart, hein, du XVIIIe siècle, hein, eh bien, l'objectif était d'accéder à la béatitude suprême, voyez, à la joie éternelle. Et l'objectif aussi, à travers ces mystères, hein, ce parcours que suivaient les mystes, puisqu'on les appelait les mystes, hein, ceux qui étaient les impétrants, eh bien, l'objectif aussi, c'était de vaincre la peur de la mort. C'est-à-dire d'atteindre une félicité qui soit une félicité qui s'inscrive dans l'éternité. Eh bien, pour Yann Assman, dans un livre très savant, hein, eh bien, Yann Assman considère que finalement, cette œuvre met en scène, alors de façon consciente ou inconsciente, hein, ce qu'il appelait les petits mystères, où là, par exemple, Papageno participe, et ensuite les grands mystères, hein, où là, seuls un certain nombre d'initiés qui n'ont pas peur de la mort ont accès. Voilà. Donc ça, c'est la thèse de Yann Assman. Elle est très intéressante. Je la cite dans mon livre. Hein, j'en fais un résumé, puisque le livre, hélas, n'a pas été traduit en français. Alors, si vous voulez, modestement, je mets la couverture de mon ouvrage. Hein. Bon, moi, si vous voulez, je me suis dit, bon, tout ça est bel et bien. Mais d'abord, le livre de Yann Assman est très, très, très savant. Je ne suis pas convaincu que ni Schikaneder ni Mozart soient arrivés à ce stade de réflexion, d'une part. Et d'autre part, je me suis dit, au fond, cette œuvre, effectivement, elle est particulièrement complexe. Je dis souvent, c'est l'image, vous voyez, d'une vieille commode de famille que vous auriez dans un grenier, vous voyez. Vous entrez dans le grenier, vous voyez une vieille commode de famille avec un peu de poussière dessus. Bon, mais si vous n'ouvrez qu'un seul tiroir, en l'occurrence le tiroir maçonnique, vous allez découvrir des choses passionnantes. Hein. Mais ça serait dommage de ne pas ouvrir les six autres. Moi, j'en ai ouvert sept de tiroirs. Et les voici, d'ailleurs, les sept tiroirs. Voilà, donc il y a sept tiroirs, il y a sept portes d'entrée, il n'y en a pas qu'une seule. Donc c'est ce qui a fait, là, j'allais dire, l'originalité de mon approche. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, toutes ces dimensions que je liste ici, hein, que j'explique par le menu dans mon livre, hein, sont aussi importantes les unes que les autres. Par exemple, la farce populaire, on peut dire, oui, bah, la farce populaire, elle est là pour égayer, pour plaire au petit peuple du faubourg de Widen, etc. Pas du tout. Mozart adorait les farces populaires. Mozart adorait rire. Mozart n'était pas le dernier, effectivement, à faire des farces. D'ailleurs, je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Donc la dimension populaire, la dimension comique, est largement aussi importante que la dimension symbolique dans cette œuvre. Parce qu'elle reflète fidèlement la personnalité de Mozart lui-même. Alors, entrons, si vous le voulez bien, donc, dans le vif du sujet, puisque, effectivement, la question, c'est de se dire, est-ce que, finalement, cet opéra est un opéra maçonnique et uniquement maçonnique ? Alors là, il y a déjà quelques petites choses à dire sur la genèse de l'œuvre. Premièrement, Mozart, bien sûr, était un franc-maçon, prosélyte, convaincu, assidu.
Il entre en loge à l'âge de 28 ans, en décembre 1784. Bon, et là, très vite, il franchit les grades. Hein. Je crois qu'en janvier 1785, il est déjà compagnon. Et on ne sait pas trop exactement, mais enfin, au printemps 1785, il est déjà maître. Et alors, il est fasciné par le rituel. Il est fasciné par le rituel, il est fasciné par la solennité de la loge, par les travaux de la loge. Il retrouve là, parce qu'il faut quand même penser qu'à l'époque, à Vienne, en 1784, la franc-maçonnerie est à son apogée. Il y a 8 loges, 800, je crois, francs-maçons à peu près, à cette époque-là, en 1784. Et en 1785, l'empereur Joseph II, qui commençait à se méfier un peu des loges maçonniques, a réduit les loges de 8 à 3. Donc on s'est retrouvé avec 200 francs-maçons sur la ville de Vienne, sur 200 000 habitants. Vienne, à l'époque, comptait 200 000 habitants, donc ce qui est relativement peu par rapport à la population. Donc là, dans les loges, on a un peu l'élite intellectuelle de Vienne. On a des aristocrates, on a des artistes, on a des intellectuels, on a des musiciens aussi, hein, on a des professeurs, etc. Ce sont des loges qui sont en fait très en vogue parce que très dans l'esprit des Lumières. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de participer à ce que les Lumières appelaient le perfectionnement, la perfectibilité de l'homme. L'homme est perfectible et c'est par un travail sur les symboles et à travers le rituel qu'il va pouvoir donc contribuer à l'édification d'une humanité meilleure. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Mozart était franc-maçon. Ce n'est pas le sujet de ce soir, hein, parce que là, on pourrait faire une conférence complète sur Mozart et la franc-maçonnerie, puisqu'il a composé beaucoup de musique maçonnique. Hein, Mozart, comme vous le savez, cantates maçonniques, des odes, tout un tas d'œuvres diverses et variées. Il a beaucoup composé des œuvres dans les loges, et il a beaucoup joué de musique, y compris de l'orgue, hein, d'ailleurs, dans une des loges, et du piano, pianoforte. Mais Schikaneder, lui, qui est l'auteur du livret, n'était pas franc-maçon. Enfin, plus exactement, il n'était plus franc-maçon. Il avait été initié à Regensburg, Ratisbonne, hein, en Bavière, en 1788, et comme c'était un bon vivant, un homme qui aimait la bonne chair, qui aimait les femmes et tout ça, eh bien, en 1789, le vénérable de la loge de Regensburg lui a fait comprendre qu'il ne pouvait plus rester dans la loge. Et notre ami Schikaneder a dû quitter la loge, et donc en 1791, quand il travaille avec Mozart sur la flûte enchantée, il n'est plus franc-maçon. Ce qui vient déjà donner, me semble-t-il, vous voyez, un petit bémol par rapport à la dimension strictement maçonnique de l'œuvre. Il y en a un qui l'est, maçon, vraiment convaincu, et l'autre qui ne l'a jamais été vraiment convaincu, et qui l'est encore moins en 1791. Alors là, on voit Schikaneder. Schikaneder est un personnage central, d'abord parce que la plupart des musicologues sérieux s'accordent à penser que c'est lui qui a écrit le texte en liaison avec Mozart. Je crois, si vous voulez, qu'ils ont travaillé en binôme. C'est-à-dire que Mozart s'intéressait à ces textes. Et Schikaneder, lui, avait composé des Singspiel avant. Il avait étudié chez les jésuites à Regensburg, il jouait parfaitement du violon, et il avait composé lui-même un certain nombre de Singspiel. Donc Schikaneder avait l'oreille musicale. Et Mozart, lui, s'intéressait beaucoup au théâtre. Il connaissait parfaitement Molière, son beau-père lui avait offert le théâtre complet de Molière en langue allemande, et il s'intéressait beaucoup à Shakespeare. Mozart était un homme qui aimait le théâtre. Donc les deux, vous imaginez, quand deux hommes se mettent à travailler ensemble sur un livret qui s'appelle « La flûte enchantée », eh bien, ça donne du très 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 bon résultat. Il est le premier Papageno de l'histoire, et c'était lui en plus qui était le patron du théâtre. Et son théâtre avait du succès, hein. Énormément de succès, il y avait eu tout un tas de pièces avant, des Singspiel, qui avaient eu beaucoup de succès. Mozart d'ailleurs l'adorait, hein. Il adorait par exemple une pièce très comique qui s'appelait Anton le sot jardinier, ça le faisait beaucoup rire, que Schikaneder avait mis en scène. Bon. Et puis dans le théâtre de Schikaneder, si vous voulez, c'était marrant parce que c'était un théâtre qui n'était pas très éloigné du centre-ville. Si vous connaissez Vienne, si vous voulez, quand vous êtes à la porte de Carinthie, c'est-à-dire là où est le Staatsoper actuellement, eh bien vous êtes en gros, si vous voulez, vous tracez une droite, vous êtes à 250 ou 500 mètres, disons, de ce qui était l'endroit où était le Theater of der Wieden. Le Theater of der Wieden se situait dans ce corps d'immeuble ici, d'accord ? Il y avait 6 cours intérieures et c'était un théâtre en bois qui contenait 1200 places. Et c'était un théâtre donc, où on donnait aussi bien des Singspiel comiques qui attirait le plus grand nombre, mais aussi des symphonies de Joseph Haydn ou des pièces de Schiller. Voyez, donc on avait à la fois du sérieux et du divertissement. Et ça, c'était bien dans l'esprit des Lumières. Hein. Schikaneder était lui aussi un homme des Lumières. Voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, rapidement sur la jeunesse de l'œuvre. Donc retenez que c'est un travail qui a été fait en binôme et que, effectivement, Schikaneder n'était plus franc-maçon à l'époque donc, où l'œuvre a été conçue. On le voit ici. Alors, ce qui est intéressant dans cette vue de l'époque, c'est qu'on voit le public ici. Ce n'est pas le public de la flûte enchantée. Hein. C'est une autre pièce qui avait été donnée quelques mois avant. Mais on voit qu'on a des femmes perruquées,
des hommes avec un chapeau. On a un public bigarré, en fait. Vous voyez, on a à la fois des commerçants artisans du quartier de Vidène et on a des aristocrates. D'autant qu'à l'époque, vous savez que le siècle des Lumières porte bien son nom. Hein. On commençait à mettre de la lumière dans les rues. On commençait à éclairer. C'est le siècle aussi de l'éclairage des villes. Et on avait aménagé du centre-ville jusqu'au Theater of der Wieden une allée éclairée qui permettait donc aux aristocrates et aux bourgeois du centre-ville de pouvoir aller et venir sans trop de difficultés du centre-ville au Theater of der Wieden. Donc vous avez dans le public de la première un public extrêmement bigarré. Vous aviez par exemple le président de la Cour des comptes, le comte von Sinzendorf, qui était présent à la première de la Flûte enchantée. Donc, bon. Et je pense que cette diversité de public, si vous voulez, se reflète parfaitement bien dans la musique de Mozart, où vous avez une énorme diversité de styles vocaux et musicaux. C'est qu'il y en a pour tous les genres. On a à la fois du style extrêmement sérieux, l'opéra seria italien, du choral, fugué, etc. Et on a des airs de chansons populaires, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors maintenant, première partie, si vous le voulez bien, un cadre maçonnique. Il serait vain, me semble-t-il, de nier effectivement la dimension maçonnique de l'œuvre. C'est le problème des mises en scène aujourd'hui. Vous avez des mises en scène, des metteurs en scène qui annulent toute dimension maçonnique. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul symbole maçonnique, vous n'avez aucun élément qui fait référence à la franc-maçonnerie dans certaines mises en scène. Bon. D'ailleurs, ça se trouve parfois dans le nom du cirque, vous voyez, des choses comme ça, ce qui est absolument stupide. Hein. La Flûte enchantée, ce n'est pas un cirque. La Flûte enchantée, j'allais dire, on ne sait pas où ça se passe ni quand ça se passe, mais c'est quelque chose qui ne relève pas du monde du cirque. C'est totalement absurde de faire de Papageno un clown, par exemple. Hein. Bon, et puis vous avez des mises en scène où là, on force un peu le trait, on voit des triangles partout. Donc je dirais qu'il faut essayer peut-être de trouver un juste milieu entre les deux. Alors, donc, le cadre est maçonnique, oui, pourquoi? Eh bien, on va entendre l'ouverture tout à l'heure. Bah oui, ça commence l'ouverture par trois accords, d'accord? Avec trois bémols à la clé. Donc là, il est clair qu'il y a probablement, voire même sûrement, une référence qui est faite au chiffre 3. Le chiffre 3 qu'on va retrouver d'ailleurs en boucle dans toute l'œuvre, comme vous le savez, hein, je ne vous apprends rien. Hein. Trois dames, trois épreuves, trois garçons, trois instruments, trois apparitions de la reine de la nuit. Vous avez au début de l'acte 2, 18 prêtres dans une palmeraie, 3 fois 6, 18. Donc le chiffre 3, si vous voulez, revient en boucle. Si j'avais un seul reproche à faire à nos amis Schikaneder et Mozart, si je me permettais de leur parler, j'aimerais bien leur parler, je leur disais, écoutez, les garçons, on a compris que le chiffre 3 est important pour vous. C'est peut-être pas la peine non plus d'en faire de trop, hein, parce que là, le chiffre 3, c'est presque obsessionnel, si vous voulez. Bon, mais on leur pardonnera. Ensuite, si vous voulez, à l'extrême fin de l'œuvre, d'accord, eh bien, vous avez un chœur qui chante, qui célèbre en fait l'initiation du couple, parce qu'on assiste à l'initiation d'un couple, hein, Tamino et Pamina, et qui chante en fait un magnifique chœur où il est dit, on l'entend, force, sagesse, beauté, qui sont les trois piliers, comme vous le savez, hein, du temple maçonnique. Thank you.
on peut considérer qu'effectivement, le début et la fin de l'œuvre sont maçonniques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le parcours de Tamino est, me semble-t-il, un parcours qui ressemble d'assez près au parcours d'un jeune franc-maçon qui passerait les différents stades. Notamment, si vous voulez, quand le grand prêtre, dans son grand dialogue, dans ce récitatif accompagné, où il est devant les trois portes, force, nature, raison, sagesse, et un grand prêtre qui ouvre la porte de la raison et qui lui dit « Qu'est-ce que tu viens chercher, mon jeune ami ?» Et Tamino a cette réponse « Je viens chercher l'amour et la vertu. » Il ne dit pas « Je viens chercher la vertu. » Il dit « Je viens chercher l'amour et la vertu. » Mais il vient quand même chercher la vertu. Donc il a une quête, il est en quête probablement de ce que les stoïciens appelaient son Dieu intérieur. Donc il a une quête profondément spirituelle, mais si vous voulez, l'amour aussi, pour Tamino, contribue à sa transformation. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable chez Mozart, notamment dans cette œuvre, c'est que l'amour est une force de transformation. L'amour est quelque chose qui met en mouvement les personnages, et notamment Tamino. C'est pas seulement une quête spirituelle qu'il met en mouvement. C'est une quête aussi de l'être aimé, et en l'occurrence de la princesse Pamina. Alors, on voit ici une gravure de 1790, authentifiée, anonyme, où on voit Wolfgang Amadé, Mozart, à droite ici, discuter avec son voisin. On voit d'ailleurs ici un prélat de l'église, d'accord ? On voit bien sûr l'impétrant avec le bandeau. Il faut savoir que la bulle papale de 1738 n'avait pas été mise en place dans les territoires des Habsbourg. Et pour la bonne et simple raison que le mari de Marie-Thérèse d'Autriche, François-Henri de Lorraine, était lui-même franc-maçon. Vous imaginez bien que la bulle papale de 1738, qui interdisait formellement la franc-maçonnerie, n'a pas été mise en place dans les territoires. Ce qui veut dire que là, effectivement, vous avez un prélat de l'Église qui est parfaitement à sa place dans la loge. Donc, il est initié, je vous l'ai dit, le 17 décembre 1784. Il a 28 ans, il est quand même relativement jeune. Il est, en fait, si vous voulez, fasciné, je vous l'ai dit, par le rituel. Il est très assidu. Il compose beaucoup de musique pour les loges. Et puis, si vous voulez, ce qui l'attire, je pense, dans la franc-maçonnerie, c'est cette idée de fraternité, cette idée d'égalité. Vous savez qu'à l'époque, les musiciens étaient considérés comme des laquais. Eh bien, en loge, Mozart se sent l'égal. Vous voyez, d'ailleurs, il a l'épée et les gants blancs, comme les autres. Or, à Salzbourg, il déjeunait et il dînait, il soupait avec les laquais, avec les valets. Ça ne lui plaisait pas. Quand on s'appelle Wolfgang Amadé Mozart, on n'aime pas trop souper avec les valets, et le considérer comme un valet, comme un laquais. Donc là, si vous voulez, il est attiré par les idées de fraternité, les idées d'égalité, les idéaux des Lumières, qui sont ceux, je vous l'ai dit, de perfectibilité de l'homme. Je crois que Mozart croyait en l'idée de la perfectibilité de l'homme. Et puis aussi, tout ce rituel qui le fascine, cette solennité, cette religiosité, je crois. Quand on écoute la musique maçonnique de Mozart, on sent qu'il y a de la religiosité. Il avait une pratique très spirituelle de la franc-maçonnerie. Et au fond, c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Jean-Victor Hocquart, qui est un très très grand musicologue mozartien, qui a écrit des ouvrages absolument remarquables sur Mozart, notamment un qui fait 700 pages, qui s'appelle « La pensée de Mozart », Jean-Victor Hocquart a cette phrase en 1958, « La franc-maçonnerie est devenue le centre de sa spiritualité ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où il entre en franc-maçonnerie, eh bien, le credo catholique demeure. Mozart est catholique. Mozart a été baptisé, il a fait baptiser ses enfants à Vienne, il s'est marié à l'église, il passait pas sa vie à l'église. Il n'allait pas trop souvent à la messe, il y allait parce que son père lui disait « il faut que tu ailles à la messe régulièrement », mais il n'y allait pas souvent. Mais il est clair que c'était un catholique, j'allais dire, convaincu. Mais probablement qu'à l'image de ce que dit Alfred Einstein, pardon, le neveu d'Albert Einstein, qui a écrit un très beau livre sur Mozart, il dit au fond… Il y a deux cercles concentriques. Il y a le premier, c'est sa pratique catholique, son credo catholique, sa croyance, sa foi catholique, qu'il n'a jamais abandonné. Et puis, mais là, il devait se sentir un petit peu à l'étroit. Et au fond, dit-il, il y a une autre sphère qui englobe la première, où là, il y a une réflexion symbolique beaucoup plus large, beaucoup plus libre, dans un esprit de tolérance religieuse, qui était celui des francs-maçons à l'époque, et donc qui l'attirait particulièrement. Et là, il a probablement, effectivement, pu réaliser ce que Jean-Victor Hocquart appelle sa démarche de la quête, c'est-à-dire effectivement de mieux comprendre la place de l'homme dans l'univers. Pour comprendre la flûte enchantée, il me semble qu'il faut revenir aux sources. Parce que dans les sources qui ont inspiré Schikaneder et Mozart,
il y a un certain nombre d'éléments maçonniques et il y a des éléments qui ne sont pas maçonniques. La première grande source qui a inspiré les deux hommes, c'est l'article d'Ignaz von Born, que Mozart connaissait très bien, puisqu'il était il était le vénérable d'une autre loge, la plus grande loge de Vienne, qui était une espèce d'académie des sciences maçonniques à l'époque, puisque Ignaz von Born était professeur à l'université, minéralogiste, donc c'était un penseur de haut vol. Et il écrivait des articles dans le journal des francs-maçons. Il faisait des conférences aussi, et auxquelles Mozart participait. Parmi les articles que von Born a rédigés dans le journal des francs-maçons à Vienne, que j'ai eu la chance de me procurer, eh bien, il y a un article qui s'appelait « Über die Mysterien der Ägypter », sur les mystères des Égyptiens. Et là, c'est très intéressant, je crois que je dois être un des rares en langue française à avoir mis mon nez dans cet article, parce que d'abord, il n'est pas facile à trouver, 1784, et ensuite, vous avez le texte que j'ai lu, donc, de un très long article, hein, de Ignaz von Born. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve énormément d'éléments qu'on retrouve dans la Flûte enchantée. Qu'est-ce qu'on trouve, par exemple? On trouve le culte d'Isis et Osiris, parce qu'on peut se demander parfois, quand on écoute la Flûte enchantée pour la première fois, on se dit, mais pourquoi il parle d'Isis et Osiris? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ah oui, mais l'article de Ignaz von Born, effectivement, il explique très bien en quoi, dans l'Égypte ancienne, et après même dans la Grèce antique, et même dans la Rome antique, Isis était un personnage particulièrement important, une déesse, signe de fertilité, de grandeur, de transcendance. Ensuite, on a le culte du soleil. Dans cet article, hein, il insiste sur le culte du soleil qu'avaient les Égyptiens. On a une assemblée générale des prêtres, aussi, dans cet article. On a une épreuve du silence. Il explique donc von Born que dans ces rites des mystères égyptiens, eh bien, il y avait une épreuve du silence. Et puis, il y a aussi, von Born explique très bien, l'importance à l'époque hein, du chiffre 3, qui pour lui donc symbolisait la force, la sagesse et la beauté. Donc on a dans cet article, si vous voulez, tous les ingrédients égyptiens et maçonniques dont s'est inspiré Emmanuel Schikaneder et Mozart pour constituer leur opéra. La deuxième source, en fait, c'est un recueil de contes de fées, une vingtaine de contes de fées d'un dénommé Christophe Martin Wieland, qui était un peu le Voltaire français, qui était lui-même franc-maçon, et qui considérait, si vous voulez, et ça c'est bien avant la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, hein, il considérait que le conte de fées avait une vertu pédagogique, qu'à travers le conte de fées, on pouvait effectivement se forger un caractère, on pouvait effectivement avoir des repères d'ordre spirituel. Et donc dans ce recueil de contes qui s'appelait donc Djinnistan, donc le pays des djinns, okay, donc l'orientalisme était à la mode à l'époque, hein, eh bien on trouve aussi dans ce recueil un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver stricto sensu dans la Flûte enchantée. J'en ai listé quelques-uns. Vous avez dans l'un des contes, hein, puisqu'il y a une vingtaine de contes, un jeune prince qui est perdu dans la forêt et qui rencontre la reine des fées. Cette reine des fées explique au jeune prince que sa fille a été kidnappée par un magicien malfaisant. C'est tout à fait ce qui se passe au début du premier acte de la Flûte enchantée. Vous avez une flûte magique qui est remise au jeune prince par la reine. On l'a dans la Flûte enchantée. D'ailleurs, un des poèmes de Djinnistan s'appelle « Loulou, odeur d'Itzauberflotte ». Loulou ou la flûte enchantée. On a un prince qui tombe amoureux d'une jeune princesse et qui finit par s'unir à elle. Exactement le parcours de Tamino et de Pamina. On a trois garçons qui apparaissent sur un nuage blanc et qui disent au jeune prince « Sois ferme, patient et discret ». On l'a exactement, on le retrouve à l'acte 1 de la Flûte enchantée. On a une reine flamboyante, comme la reine de la nuit, hein, et ses servantes voilées, on le retrouve dans la flûte. On a des épreuves du feu et de l'eau, et enfin, on a un esclave noir hideux et violent, Monostatos. Vous voyez ? Donc ça, c'est la deuxième source importante qui ont inspiré Schikaneder et Mozart, que Schikaneder et Mozart connaissaient, vous imaginez bien. Wieland était très connu, je vous dis, c'était le Voltaire allemand. Hein. Et puis, troisième source, et là qui n'est pas maçonnique, parce que l'abbé Terrasson, qui était professeur au Collège de France, n'était pas franc-maçon. Mais il a écrit, en 1732, si ma mémoire est bonne, il a écrit un roman initiatique, 1731, qui a été traduit donc en 1732 en allemand. Il a écrit un roman initiatique qui se passe dans l'Égypte ancienne et qui s'appelle Sétos. Et là, effectivement, ce fameux Sétos est confronté à un serpent. Mais à l'inverse de Tamino, qui ne combat pas, on va le voir, le serpent, là, lui, il capture le serpent. On a l'initiation au mystère, je vous parlais des mystères, hein, de ce jeune prince égyptien. On a le culte d'Isis et Osiris, bien entendu. On a un parcours d'apprentissage. On a trois hommes en armes
qui lisent une inscription hiéroglyphique qu'on va retrouver mot pour mot à l'acte 2, on va l'entendre tout à l'heure, de la flûte. Et puis, on a des épreuves terrifiantes de l'eau et du feu. Et enfin, on a une procession triomphale à l'extrême fin de Cétos. C'est un roman d'apprentissage, hein, où, effectivement, le jeune prince, alors il est tout seul, hein, il n'y a pas de princesse, hein, est initié et baigné dans la lumière. Donc, voyez, vous mélangez ces trois sources et vous avez les éléments, les ingrédients, hein, qui sont ceux de la flûte enchantée, mais bien entendu magnifiés par la musique de Mozart. Je vous propose d'entendre l'ouverture. Alors, je n'aime pas parler pendant la musique, donc je ne parlerai pas pendant la musique. Je vais simplement vous donner quelques petites clés d'écoute de cette ouverture. D'abord, c'est une ouverture que Mozart a composée à l'extrême fin de son travail. C'est-à-dire qu'il est allé à l'été 1791 à Prague pour composer la Clémence de Titus, une commande tardive de dernière minute de l'empereur, du nouvel empereur, qui était sacré roi de Bohême, qui avait choisi Salieri, mais Salieri ne pouvait pas, donc en second choix, vous voyez comment on considérait Mozart, en second choix, on choisit Mozart. Il part à Prague en catastrophe, il commence à travailler donc dans la calèche, et puis quand il revient fin août, début septembre, il n'a pas encore composé l'ouverture, ni le chœur Isis et Osiris. Et là, à l'extrême fin de son travail, donc au mois de septembre, il compose l'ouverture. Donc l'ouverture, si vous voulez, c'est une espèce de postface. Mozart, à l'extrême fin donc, de son travail de composition, se dit « comment je vais commencer mon œuvre ?» Vous savez, une ouverture, ce n'est pas un résumé. Une ouverture, c'est une mise en préparation, c'est une mise en bouche, c'est quelque chose qui annonce ce qui va se passer. Vous voyez, ça nous met en condition. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est en mi bémol majeur. Alors là, le mi bémol majeur, Mozart connaissait parfaitement la signification des tonalités. Cette tonalité, c'est une tonalité dont Antonio Galeazzi, qui était un compositeur, musicien italien au XVIIe siècle, avait théorisé l'idée selon laquelle cette tonalité de mi bémol majeur était particulièrement solennelle, feierlich, grave, sérieuse, héroïque. C'est la tonalité, par exemple, de la symphonie numéro 3, héroïque, de Beethoven. C'est la tonalité de la vie de héros de Richard Strauss. C'est la tonalité du concerto pour piano numéro 5, dit l'empereur de Beethoven. Donc c'est une tonalité solennelle, grave, sérieuse. Mozart commence cet opéra pas par un air virevoltant, joyeux, rigolo, non, il commence par quelque chose de sérieux. Alors qu'est-ce qu'on entend? Je vais vous donner quelques points de repère rapides. On entend d'abord trois accords. Ok? Donc ça je l'ai dit, on commence par trois accords. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend? On entend un adagio. Alors c'est bizarre de commencer une ouverture par un adagio, c'est-à-dire qu'on commence par un mouvement lent. Ce mouvement lent, si vous voulez, il y a une grande instabilité rythmique. On ne nous donne strictement aucune direction. La musique est instable, on est dans une atmosphère d'attente un petit peu inquiète. Voyez. Et puis, à l'issue de cet adagio, on a surgi un fugato, c'est-à-dire une succession de voix qui vont se superposer les unes sur les autres, dans le sens de la hauteur, qui nous indique peut-être, soyons prudents, l'idée d'une construction. Mozart construit de façon contrapuntique cette troisième partie de son ouverture. Et puis après, on entend les trois accords qui reviennent, mais ils sont beaucoup plus lointains. Et la musique reprend, mais elle se fait plus inquiète. Et enfin, on a cette espèce de marche, hein, ce fugato, qui devient de plus en plus affirmé, de plus en plus viril, de plus en plus puissant, comme une sorte d'acharnement. Et on entendra à l'extrême fin, faites attention de l'ouverture, des trompettes, l'idée d'une victoire sur quelque chose. C'est une construction éminemment complexe, éminemment subtile, mais éminemment réfléchie, comme disait Robert Misrahi, qui mène à une victoire, probablement une victoire de l'esprit. Alors écoutons, si vous le voulez bien, Carl Böhm, Berliner Philharmoniker, 1977. Thank you.
Un petit détail, mais je vais oublier plein de choses, hein. C'est que Mozart dirige les deux premières du clavecin et il dispose de 35 musiciens parmi les meilleurs de Vienne. Donc c'était peut-être pas le Berliner là avec 70 musiciens, 70 musiciens, mais ça devait bien sonner avec Mozart effectivement qui dirige les deux premières représentations.
Alors aussi, un petit détail qui a son importance, regardez, ça c'est l'affiche de la première. Die Zauberflöte, eine große Oper in zwei Aufzügen. Un grand opéra en deux actes de Monsieur Emmanuel Schikaneder. Die Musik ist von Herrn Wolfgang Amadeus Mozart. Donc on voit que le nom de Schikaneder est beaucoup plus gros que celui de Mozart. Il est probable donc que ce public bigarré dont je vous ai parlé, hormis les aristocrates du centre-ville qui connaissaient parfaitement le génie de Mozart, mais le public d'artisans commerçants de Wieden, venait tout simplement passer une bonne soirée, se divertir, il n'y avait pas le cinéma à l'époque, et écouter une pièce de M. Schikaneder, d'accord, avec la musique de M. Mozart, mais enfin c'était peut-être moins important. Ceci dit, Mozart qui écrit à sa femme, hein, elle a une quarantaine de kilomètres, elle prend les eaux à Baden, et lui dit, tu sais, Constance, tu ne peux pas savoir, j'ai dirigé les deux premières, et j'ai été bouleversé par l'approbation silencieuse du public. C'est-à-dire que ce public était venu pour se divertir, oui. Au moment où, par exemple, la princesse Pamina chante « Ar, ich fühl's » en sol mineur, c'est pire que la mort. Tamino ne me parle plus, il ne m'aime plus. Eh bien là, le public fait silence. Et il est probable aussi que pendant les scènes rituelles aussi, le public fait un silence. Et ça, ça a beaucoup touché Mozart. Alors, projetons-nous, si vous le voulez bien, au tout début de l'œuvre, parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses au début. Je vous propose de nous déplacer au Covent Garden, mais restez assis, hein, on va aller au Covent Garden de Londres tranquillement, et on va voir la dernière mise en scène intéressante, et on va voir ce qui s'y passe, et je vous ferai un commentaire rapide après cette première acte, première scène. Vous voyez, hein, cette couleur bleutée, argentée, qui est celle des contes de fées. Hein. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on ne sait pas où ça se passe et on ne sait pas quand ça se passe. C'est un opéra, bien avant Jung, hein, mais c'est un rêve jungien. Ce n'est pas comme Don Giovanni qui se passe à Séville au 18e ou Così fan tutte qui se passe à Naples. Hein. Non, on ne sait pas où ça se passe. C'est un pays imaginaire. Alors là, il se passe pas mal de choses. Il est dit dans la didascalie hein, que le prince Tamino arrive dans la forêt, revêtu d'un splendide habit de chasse, alors ça dépend de la traduction, hein, japonais ou javanais. Hein. Il y a vonicheu ou il n'y a pas nicheu, enfin là, la traduction allemande est difficile, c'est pas très clair. Mais enfin, il a une tenue, si vous voulez, orientale, on va dire, belle. Hein. Mais là, le problème, dans la didascalie, il est dit qu'il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Alors, soit il a utilisé toutes les flèches qu'il avait à sa disposition avant l'action, soit il a un arc et il n'a pas de flèche. C'est un petit peu embêtant. Hein. Parce que comme disait Confucius, et Confucius dans les préceptes qu'il donnait aux jeunes princes qui aspiraient à régner sur des territoires, il y avait parmi les 6 arts majeurs qu'il fallait maîtriser, alors, il y avait la conduite du char, les mathématiques, etc., il y avait le tir à l'arc. Parce que si j'ai un arc et que j'ai une flèche, eh bien je peux d'abord m'en servir et je peux viser un objectif. Si j'ai un arc et que je n'ai pas de flèche, je ne risque pas d'atteindre mon objectif. Donc on a affaire ici, si vous voulez, à un jeune nigaud qui sort de l'adolescence, qui est incapable de combattre, de lutter. Il est sauvé par les trois dames. Heureusement qu'elles sont là. Hein.
les trois dames, parce qu'il restera un jeune gigot toute sa vie. Et effectivement, il perd connaissance. Alors, on peut supposer, connaissant la pratique maçonnique de Mozart, que c'est une perte de connaissance symbolique, que c'est une mort symbolique, et que c'est le point de départ essentiel pour, j'allais dire, la poursuite de son cheminement spirituel ultérieur. Sans cette perte de connaissance symbolique, il ne pourra pas, ou il ne pourrait pas, aller de l'avant. On remarque d'ailleurs dans l'opéra que Pamina, qui elle n'a pas un parcours maçonnique, mais on y reviendra, c'est un parcours très humain celui de Pamina, elle perd aussi connaissance au moment où Monostatos veut la violenter sexuellement. Donc il y a une symétrie des pertes de connaissance, et les deux personnages font effectivement, à travers des épreuves, accéder à un niveau supérieur de la connaissance, de la conscience, mais ils passent par cette étape de la perte de conscience, symbolique. Alors, projetons-nous, si vous le voulez bien, maintenant, à l'acte 2, parce qu'à l'acte 2, eh bien, le cœur prend de plus en plus d'importance. Et c'est le cœur, en fait, qui va commenter la progression spirituelle de Tamino. Tamino s'efface un petit peu au deuxième acte, et c'est le cœur qui prend le relais. Et là, si vous voulez, Tamino a accompli avec succès son épreuve de silence. Et le cœur, donc, célèbre ce premier acte de courage qu'il a eu, ce premier travail qu'il a fait sur lui-même, et vous allez voir ce qui est dit, et la scène donc, se passe, ce sont des prêtres donc, qui sont autour du grand prêtre Zarastro, et ces prêtres sont dans une pyramide, d'accord ? Et ils portent chacun sur eux un triangle, enfin une lanterne en forme de triangle. Ça c'est dit dans la didascalie, donc on revoit le triangle maçonnique, c'est assez clair là ici. Et si vous voulez, l'idée c'est qu'il a vaincu certes, il a réussi son épreuve de silence, mais il lui reste encore tout un tas d'autres épreuves. Donc il y a un doute encore. Est-ce qu'il va vraiment réussir les épreuves qui lui restent à accomplir? Et là, ce cœur est particulièrement solennel. Il est d'une grande solennité, d'une grande splendeur. On voit toute la spiritualité qui était celle de Mozart quand il compose ce cœur magnifique, donc des prêtres du deuxième acte que je vous propose. Alors, il est dit, vous allez voir le texte, il va bientôt connaître une nouvelle vie, il se vouera bientôt à notre service. C'est clairement une allusion, me semble-t-il, qui est faite là à une loge maçonnique.
vous entendez la solennité, la religiosité de ce chœur, qui fera dire à la fois à Beethoven et à Wagner que cet opéra est le premier grand opéra allemand. On pourrait presque rajouter romantique allemand, c'est-à-dire que ce chœur annonce les chœurs de Richard Wagner, dans Parsifal par exemple. Voyez. Alors passons, si vous voulez bien, à la deuxième partie. Est-ce que finalement les personnages maçonniques, alors les personnages maçonniques, hein, c'est Zarathustra, le grand prêtre, ses prêtres, et puis Tamino. Les autres n'ont peu ou pas de rapport avec la franc-maçonnerie. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne sont pas concernés. Bon. Alors pour autant, est-ce qu'ils sont là pour faire, pour faire le décor, pour faire décoration, ou est-ce qu'ils ont un rôle important à jouer ? Eh bien, je pense qu'ils ont un rôle important à jouer. On les voit ici, les personnages. Hein. Vous avez ici, effectivement, le grand prêtre Zarathustra, vous avez Tamino, Pamina, vous avez Papageno, Papagena, qui sont doubles, hein. La reine de la nuit, le mort, Monostatos, un des trois anges, là, un des grands prêtres, le grand prêtre, et puis là, il y a aussi un des grands prêtres. Voilà les personnages, c'est une gravure du 19e siècle. Ça. Alors, les personnages, donc, secondaires, entre guillemets, eh bien, ne sont pas tant que ça. Et je vais essayer de vous le démontrer. Par exemple, à l'acte 1, Papageno est envoyé en éclaireur dans le château de Zarathustra. Il n'a pas envie du tout, hein, parce que Papageno, il faisait beaucoup rire le public, hein, parce qu'il est à la fois vantard, mais il est poltron. Il dit qu'il a tué le serpent, qu'il a étranglé le serpent, et Erdrosselt, en fait, ce n'est pas lui qui a étranglé le serpent, c'est les trois dames. Non, il aime bien se vanter, il fait rire tout le monde, mais il est très peureux. Il se dit, oh là là, si je vais dans le château de Zarathustra, il va me faire griller comme un poulet avec mes plumes. Tellement il a peur. Bon, enfin, il y va, il n'a pas le choix. Les trois dames lui disent, tu dois y aller. Bon, alors, il y va. Bon. Et puis, il rentre dans le château de Zarathustra, il voit Pamina, il rencontre Pamina, qui, elle, est faite prisonnière par Zarathustra, parce que Zarathustra a préféré faire prisonnière la fille de la reine de la nuit pour éviter qu'elle subisse les folies et les affres de sa mère, pour la protéger, finalement. C'est un père nourricier, Zarathustra. Hein. Voilà. Donc, il s'approche de Pamina et lui dit, tu sais, Pamina, il y a un jeune prince, plutôt bien de sa personne, qui est très amoureux de toi. Alors la princesse Pamina dit, un jeune prince qui est très amoureux de moi, mais c'est formidable. Il lui dit, oui, d'accord, c'est super, mais moi, Papageno, keine Papagena habe, j'ai pas encore trouvé ma Papagena, moi, et pourtant j'ai très 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 envie d'en trouver une de Papagena. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, tu es une belle personne, tu finiras par trouver l'amour. Et alors là, scène extraordinaire, Mozart fait chanter à cette princesse, fille de la reine de la nuit, et à cet homme simple, Naturmensch, il se définit comme tel, un homme, on dirait aujourd'hui, du peuple, il leur fait chanter tous les deux, en mi bémol majeur, je vous ai dit que c'était une tonalité solennelle, un hymne à l'amour. Homme et femme, femme et homme, par l'amour, atteignent à la divinité. Ce que Platon appellera l'idée. C'est-à-dire que l'amour, quand il est partagé et qu'il est, s'inscrit dans la durée, nous mène à l'idée, nous mène à Dieu, nous mène à quelque chose qui nous transcende. Alors bien sûr, c'est la princesse qui commence. Il faut quand même respecter un minimum l'ordre social. Et elle finit par des petites vocalises. Mais notre ami Papageno, qui est le Naturmensch, il se hisse à son niveau. Il la suit, oui, mais il se hisse à son niveau. Et là, on a une scène absolument extraordinaire, une grande simplicité de moyens, tout est dit, et le public adorait ce duo. Et souvent après le duo, Mann und Weib, les gens voulaient réentendre ce duo. Gesellschaftliche Unterhaltung haben möchte. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Wird dir eine Freundin schicken, ehe du dir's vermutest. Wenn sie nur bald schickte. Thank you.
wirkt im Kreise die Natur. Ihr hohen Zweck fällt göttlich auf, wächst Bindler sein als Wein und Lamm. Nichts Bindler sein, si vous voulez bien maintenant la troisième partie, donc ma vision de l'œuvre. Je vous ai montré tout à l'heure ce schéma, j'y reviens. Par exemple, là, on vient de voir effectivement l'idée que c'est effectivement un opéra qui parle de l'amour, hein, une histoire d'amour. Il y a une double histoire d'amour, hein. Il y a celle de Papageno et Papagena, il y a celle de Tamino et Pamina. Mais c'est aussi une lutte de pouvoir, il y a une dimension shakespearienne dans cette œuvre. Mozart était un grand admirateur de Shakespeare, et il y a effectivement, dans la lutte à mort entre Zarathustra et la Reine de la Nuit, l'enjeu du pouvoir qui est au centre de cette œuvre. C'est un Bildungsoper, comme les Allemands, c'est-à-dire que c'est un opéra d'apprentissage où un certain nombre de personnages qui sortent de l'adolescence, à travers un parcours d'épreuves, vont se forger un caractère. C'est également un conte de fées, on va en voir une scène tout à l'heure, un Märchenoper, comme disent les Allemands, donc effectivement la dimension féerique est très importante pour pénétrer le sens de cette œuvre. La farce populaire, il y a des scènes effectivement de farce populaire, par exemple Papageno, quand il rentre dans le château, il se croise Monostatos. Il n'a jamais vu un homme noir. Et Monostatos n'a jamais vu un homme, mi-oiseau, puisque Papageno est oiseleur, donc il porte un plumage multicolore, et donc ils se prennent pour le diable l'un l'autre. C'est une scène de pur comique populaire qui faisait beaucoup rire Mozart et qui faisait beaucoup rire le public. C'est un drame sacré, bien entendu. On en a eu un échantillon tout à l'heure. Là, le cœur des prêtres, on est dans quelque chose de profondément religieux. Et puis, bien sûr, c'est une femme maçonnique. J'en ai parlé en première partie et je n'ai fait qu'aborder rapidement le sujet, mais on va continuer, bien sûr. Alors, sur effectivement la dimension féerique, eh bien, je vous propose une scène qui va nous permettre, en fait, cette scène, de revenir à ce que pensait Hegel de cet opéra. Dès le départ, dès les premiers mois, il y a un certain nombre de beaux esprits qui ont dit « Oui, la musique de Mozart est plutôt belle, effectivement, mais le texte, pas terrible. Hein. » Et c'est une idée qu'on a entendue encore plein de fois et qu'on entend encore aujourd'hui. Hegel, pas du tout. Dans ses leçons d'esthétique à l'université Humboldt de Berlin, le père de la dialectique, vous imaginez, Friedrich Hegel, explique à ses étudiants « La flûte enchantée, ouais, ouais, super musique, très beau texte. J'apprécie, dit-il, c'est dans les cours d'esthétique, hein, j'invente rien, j'apprécie, dit-il, la morale tempérée qui émane de cet opéra, cette morale tempérée. Eh bien, cette morale tempérée, on va en avoir ici un échantillon. Parce que Papageno, je vous l'ai dit, est envoyé en éclaireur, il a très peur, bon, il a raison d'ailleurs, et il se trouve que Monostatos, qui est le chef des esclaves et qui est chargé de surveiller Pamina, s'aperçoit qu'un intrus est entré dans le temple, dans le château. Il appelle ses sbires et il dit à ses sbires « Vous allez mettre les fers immédiatement à Pamina et à Papageno pour pas qu'ils sortent et puis qu'ils s'évadent. » Papageno, qui est très malin, ce n'est pas l'idiot du village, hein, il a compris qu'on lui avait remis un instrument magique. Il se rappelle qu'il a un instrument magique. Et donc, il utilise son instrument magique. Et vous allez voir ce qui se passe. Et puis ensuite, eh bien, on tire la morale de l'histoire. Cette morale tempérée qu'aimait tant, qu'appréciait tant Hegel. Schnelle Feste, rasche Mut, schützt vor Feind, es ging es gut, wenn den
Set de contes de fées, puisque le carillon magique, si vous voulez, de Papageno se transforme en boîte à musique, les esclaves hostiles se transforment en marionnettes inoffensives, on est en plein en l'esprit d'enfance, mais ce conte de fées a une vertu pédagogique, puisque à la fin de cette scène féerique, on a la morale de l'histoire. Je vous laisse imaginer ce que le mot harmonie devait signifier aux oreilles de Mozart. Ce que le mot « amitié » devait signifier aux oreilles de Mozart. Ces deux mots-clés sont prononcés ici. Harmonie, des notes entre elles pour un compositeur. Harmonie de l'orchestre avec les chœurs. Harmonie de l'homme avec la nature. Harmonie de l'homme avec les autres hommes. Harmonie de l'homme avec Dieu. Voilà ce qu'était l'harmonie pour Mozart. C'est parfaitement chanté ici. Alors, on a dans cet opéra, et c'est ce qu'il caractérise et ce qui fait que ça déstabilise certains, c'est qu'on passe effectivement de scènes comiques, voire très comiques, à des scènes austères, sérieuses, hiératiques. C'est le cas par exemple du choral des deux hommes en armes. Alors il faut en dire deux mots de ce choral des deux hommes en armes. On est à l'acte 2. Tamino a subi avec succès l'épreuve du silence. Il doit maintenant affronter deux épreuves terrifiantes qui sont celles du feu et de l'eau. Vous vous rappelez qu'on les retrouvait dans le roman notamment de Cétos de l'abbé Terrasson. Là, il y a deux hommes en armes qui arrivent et on a l'impression que Jean-Sébastien Bach en personne arrive sur la scène. C'est-à-dire que ces deux hommes en armes, si vous voulez, ils vont chanter un choral luthérien. On entend d'abord des accords qui sont très austères, très graves. On entend ensuite un adagio en ut mineur avec des cordes graves et des trombones. Le trombone, hein, c'est l'instrument d'église par excellence.
et puis une atmosphère d'ombre, de désolation, et puis ensuite cette espèce de fugue lente qui arrive et qui effectivement nous fait penser au style contrapuntique, au style fugué de Jean-Sébastien Bach. On est dans une musique particulièrement austère, particulièrement solennelle, qui vient effectivement rompre avec l'atmosphère plutôt joyeuse de cette œuvre. Musique d'église, une scène qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les mystères d'Éleusis. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que dans les rites initiatiques des mystères d'Éleusis, il était question de se confronter à des épreuves réelles ou symboliques pouvant entraîner la mort, mais qui visaient justement à permettre au myste de surmonter la peur de la mort. Et là, on est complètement, me semble-t-il, dans cet esprit. Donc on a une musique qui est parfaitement religieuse, on a une symbolique qui renvoie au mystère d'Éleusis, et on a aussi, me semble-t-il, un élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que pour certains francs-maçons que j'ai lus, on nous dit, bien sûr, on nous dit l'épreuve de l'eau, du feu, de la terre, et puis il y a les quatre étapes du rite maçonnique. Mais je rappelle que dans le roman de l'abbé Terrasson, Cétos, on a exactement les mêmes épreuves, et que l'abbé Terrasson n'était pas franc-maçon. Premier élément. Deuxième élément, les épreuves de l'eau et du feu, puisque pour l'instant il ne s'agit que de ces deux épreuves, renvoient à des épreuves qui sont tout à fait terrifiantes et qui peuvent entraîner la mort. On sait bien que le feu, on peut en mourir, et l'eau également. Donc là, il y a un débat entre experts, entre ceux qui disent il y a les quatre étapes du rituel maçonnique, et puis il y a ceux qui disent non, ça n'a rien à voir avec le rituel maçonnique. La réflexion est parfaitement ouverte. Alors, passons, si vous voulez bien, à la dernière partie, je ne veux pas abuser de votre temps. Le pouvoir magique de la musique, et j'allais dire que probablement, je vais vous dire, c'est probablement ce qu'il y a de plus important à retenir de cette soirée.
C'est-à-dire que, outre la dimension maçonnique, outre la dimension profondément philosophique dont nous parle Robert Misrahi, eh bien, il y a dans cette œuvre une métaphore absolument sublime sur le pouvoir magique de la musique. Et cette métaphore, elle est construite, elle est élaborée par un Mozart qui a travaillé sur cette œuvre du mois de mars 1791 au mois de septembre et qui va mourir dans la nuit du 4 au 5 décembre 1791. Alors bien entendu, Mozart n'était pas conscient quand il a commencé à travailler sur la flûte enchantée, et même quand il a achevé de travailler sur la flûte enchantée, il n'était pas conscient qu'il allait quitter ce monde. Mais il n'en demeure pas moins que c'est son dernier opéra, c'est son opéra testamentaire, et puis il y a une réflexion effectivement absolument bouleversante et même transcendante sur le pouvoir de la musique, sur les âmes. Alors, tout est dit dans le texte. On va déjà voir à l'acte 1 la remise des instruments magiques par les trois dames, puisque les trois dames, quand elles arrivent, qu'elles constatent que le serpent qu'elles ont tué est bien mort, elles remettent des instruments magiques à Tamino et à Papageno pour ensuite qu'ils puissent effectivement poursuivre leur chemin sans encombre, en étant protégés par la force de ces deux instruments. Vous allez voir ce qui est dit, notamment, alors elles le disent, les trois dames, « Cette flûte a plus de prix que l'or et les couronnes, car elle accroît la joie et le bonheur des hommes. » Tamino, par exemple, quand il apprendra que Pamina vit encore, il est tout content, il sort sa flûte, il charme les animaux sauvages, tout autour de lui dans la forêt. On revient au mythe d'Orphée, que Mozart connaissait, puisqu'il avait entendu le Orphée de Gluck à l'Opéra de Paris. Papageno, on vient de le voir, se sort d'une situation plus qu'embarrassante en utilisant son carillon magique. Mais le point d'acmé de l'œuvre, il est atteint au moment où le couple s'apprête à traverser les épreuves de l'eau et du feu. Là, Pamina explique à Tamino quelle est l'origine de cette flûte, que son père, décédé, un être assez mystérieux, cette flûte que son père a créée un soir d'orage, de tonnerre, dans un chêne millénaire. Et elle lui dit, tiens, on va y aller ensemble, on va traverser ces deux épreuves terrifiantes ensemble, allons-y avec la flûte. Et ils chantent ensemble, alors ce duo qui, me semble-t-il, celui-là n'est pas Schikaneder, c'est pas Schikaneder qui a écrit ce texte, je pense que c'est Mozart lui-même qui a écrit ce texte. Je cite, « Nous avançons, joyeux, par la force de la musique, à travers les épreuves de la mort. L'idée que la musique mène à l'immortalité. » Thank you.
Alors voyez, on entend quoi? On entend des timbales en sourdine et une flûte en suspension. Le couple traverse cette épreuve terrifiante dans une sérénité totale. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en l'instrument, parce qu'ils ont confiance en la musique. Mozart écrit ce texte, 4 mois après, il décède, il quitte cette terre. Passons, si vous voulez bien, maintenant à la conclusion. Il y a un mot qui revient souvent dans cette œuvre, c'est le mot « bald ». Alors « bald », en allemand, ça veut dire « bientôt ». L'œuvre se projette dans un avenir lumineux, vous voyez. C'est très dans l'esprit des Lumières, ça. Le monde peut s'améliorer, l'homme peut s'améliorer. Et les deux, on va ensemble. Et il y a une scène, à l'acte 2, scène 26, qui est très intéressante. Alors, excusez-moi, déjà, oui, pour conclure, eh bien, comme disait ce théologien protestant Karl Barth, qui a écrit un tout petit ouvrage que je vous recommande sur Mozart, mais absolument magnifique, et au fond, à propos de la flûte enchantée, il dit « c'est l'ordonnance des choses ». C'est la synthèse des choses, pardon, dans leur ordonnance finale. Vous voyez ? C'est un opéra total, testamentaire. Mozart est tout entier dans chacun de ses personnages. Alors, effectivement, bald, bientôt. Ben oui, il y a un objectif qui est poursuivi. Je vous parlais de l'intention tout à l'heure. Il est dit par les trois garçons. Annonçant le jour, le soleil va resplendir sur sa courbe dorée. Bientôt, les fausses croyances s'effaceront. Alors là, il fait référence à la Reine de la Nuit. La superstition, le fanatisme, la violence qu'incarne la Reine de la Nuit à l'acte 2. L'homme sage triomphera. Douce paix descend vers nous. Revient dans le cœur des hommes. La terre sera le royaume des cieux. Les mortels égaleront les dieux. Alors, je conclurai, si vous voulez bien, avec une phrase d'Ingmar Bergman. Vous savez qu'Ingmar Bergman, en 1977, a réalisé pour la télévision suédoise un magnifique film sur la flûte enchantée, filmé au théâtre de l'époque du 18e, de Drottningholm, dans la banlieue de Stockholm. Eh bien, il avait saisi l'esprit, me semble-t-il, de cet homme. Je cite Ingmar Bergman et j'en terminerai par là. « La flûte enchantée est une saga poétique, un rêve. Ce n'est pas non plus une simple comédie, car la pièce possède une morale. Il y est dit que l'amour allège les tourments et se multiplie dans le temps. La flûte enchantée est le message d'un homme qui n'avait plus que quelques mois à vivre et qui transmet sa foi en l'amour et en la musique. » Fin de citation. Merci infiniment de votre attention et je suis à votre disposition, bien entendu, si vous avez des questions, des observations ou des compléments que vous souhaiteriez apporter à mon intervention. Merci infiniment. Merci. Il faut quand même savoir que Mozart, c'est sa femme qui le dit, Constance, la veille de sa mort, il fredonne l'air de Papageno. Vous imaginez? Il ne fredonne pas l'air du Requiem, il ne fredonne pas Don Giovanni. Il fredonne l'air du premier acte de Papageno, Der Vogelfänger Benicia. C'est d'ailleurs l'air le plus virevoltant, le plus aérien, le plus léger qu'il ait jamais composé. Et je voudrais, avant de nous quitter, vous lire une lettre de Mozart. Elle n'est pas longue, mais elle nous dira beaucoup de lui. Elle nous dira beaucoup de l'esprit qui était le sien quand il a composé cette œuvre. Vienne les 8 et 9 octobre 1791, samedi soir, 10h30. Très chère, excellente petite femme, c'est avec le plus grand plaisir et frémissement de joie que j'ai trouvé ta lettre en rentrant de l'opéra du Théâtre of der Wieden. Il y allait quasiment tous les soirs.
Il a emmené son fils Karl, 7 ans. Il lui a dit, tu vois, regarde, fiston, ce que ton papa a fait. Il a emmené Salieri, le Hofkapellmeister de la cour. Et Salieri lui a dit, bravo, bello, bellissimo. Bravo, Mozart, vous avez fait un opéra, là, super. Mozart qui était orgueilleux, tout content. Bien. Et alors, jour de l'opéra, bien que le samedi soit toujours un mauvais jour à cause de la poste, l'opéra était représenté devant une salle pleine et avec les répétitions. Il faut savoir que le public venait à 5 heures pour être sûr de trouver des places à 19 heures et qu'il y a eu 24 représentations au mois d'octobre 1791. 24 représentations, ce qui est un succès absolument énorme. Et le succès habituel. On le redonne demain, mais on l'arrête lundi. Donc, il faut que Stoll vienne mardi ou on le redonnera pour la première fois. Je dis pour la première fois parce qu'on va apparemment le jouer de nouveau un grand nombre de fois. Oui, ça a été un énorme succès. Alors là, ça devient intéressant. Les Lloyd Gebb ont eu une loge aujourd'hui. Alors non, ce n'est pas les Lloyd Gebb, excusez-moi, autant pour moi. Le nom a été rayé. Il y a eu un nom d'un couple d'aristocrates qui a été rayé. Parce que je vous avais dit qu'il y avait des aristocrates qui étaient venus dans ce théâtre écouter la première. Mozart se met à côté de ce couple d'aristocrates dans les loges. Les, ça a été rayé, ils devaient être connus à Vienne, ont eu une loge aujourd'hui. Elle a bien donné son approbation à chaque morceau. Mais lui, cet ennemi de tout, a tellement fait le paysan que je n'ai pu rester. Il m'aurait fallu le traiter d'âne. Malheureusement, j'y étais encore au début du second acte, donc à la scène solennelle. Il s'est moqué de tout. D'abord, j'ai eu la patience de vouloir attirer son attention sur certaines paroles. Il ne dit pas « j'ai voulu attirer son attention sur le mi bémol majeur ». Non, il dit « j'ai voulu attirer son attention sur certaines paroles ». Donc il nous dit que le texte est important pour lui. Mais non, il riait de tout. C'en a été trop. Je l'ai appelé Papageno et suis parti. Mais je ne crois pas que l'imbécile ait compris. Je suis alors allé dans une autre loge où se trouvaient Flamme et sa femme. Là, j'ai eu toute satisfaction et je suis resté jusqu'à la fin. Et alors c'est là que ça devient presque bouleversant, si vous voulez, de naturel et de simplicité, dans ce qu'il nous dit maintenant. Je suis allé aussi au théâtre, sur le théâtre au moment de l'ère de Papageno avec le Glockenspiel. C'est le deuxième ère de Papageno avec son Glockenspiel. Papageno sieht, wo so ein sanftes Schäufchen wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Dann schmecken wir trinken und essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen. Und wie im Elysium sei, dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Des Lebens als Weiser mich freuen, und wie im Elysium sei, im Elysium sei, im Elysium sei. Parce que j'avais aujourd'hui une terrible envie de le jouer, moi-même. J'ai fait alors la plaisanterie à l'endroit où chez Canéder fait un arpège, à une pause, pardon, de jouer un arpège. Donc ça veut dire que, si vous voulez, Papageno, donc le chez Canéder, quand il veut jouer du carillon, il fait semblant de taper dessus. Mais c'est le percussionniste dans la fosse qui joue, on est bien d'accord. Sauf que Mozart, lui, a l'heureuse idée, la rigolote idée de se mettre derrière le rideau de scène. Et il joue à contre-temps. C'est-à-dire qu'au moment où chez Canéder ne tape pas sur son carillon, il entend le carillon. Alors, il regarde dans la fosse, il ne voit pas le percussionniste bouger un cil, il se dit, il y a quand même un problème là. Il se retourne vers le rideau et il aperçoit son ami Mozart. Et voilà ce que Mozart explique. Il sursauta, regarda sur la scène et m'aperçut. Il s'arrêta alors. Il ne voulait plus continuer. Je devinais sa pensée et fit un nouvel accord. Alors, il frappa sur son carillon et lui dit, ferme ta gueule. Non mais... Parce que c'est la traduction de Geneviève Geffray, avec qui j'ai travaillé au Mozarteum de Salzbourg, est un peu édulcorée. Hein. Il lui a dit « ferme ta gueule ». Ce qui fit rire tout le public, comme vous ce soir. Alors, oui, je crois que beaucoup de gens ont compris pour la première fois par cette plaisanterie que ce n'est pas lui qui frappe l'instrument. D'autre part, tu ne peux croire quel effet charmant on a de la musique dans une loge proche de l'orchestre. C'est bien mieux que de la galerie. Il faudra que tu en fasses l'essai dès ton retour. Mais vous imaginez en quels termes enfantins il parle de son chef-d'œuvre. Enfin, moi, je trouve ça bouleversant. Et ça me fait plaisir de partager cette lettre avec vous pour clôturer cette soirée. Merci.
chanteur. Nichts war.